Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le 13 minutes du MCLU. Ce numéro sera consacré à l'adressage des rues. Indiquer un lieu à Abidjan ou même à l'intérieur du pays ou se retrouver tout simplement dans notre pays n'est pas une chose facile. Eh bien, les citoyens ont trouvé leur propre solution. Utiliser le gros arbre du quartier ou alors la vendeuse d'Aloco ou encore la boutique peinte en bleu, en rouge ou en vert. Cependant, si le gros arbre arrivait à être coupé, ou si la vendeuse d'Aloco changeait de place, ou si la boutique changeait de couleur, on était complètement perdu, un véritable cauchemar. L'État de Côte d'Ivoire a donc pris la responsabilité de s'attaquer à ce problème en lançant un projet dénommé PADA, projet d'adressage du district d'Abidjan. Aujourd'hui, où en est-on? Où allons-nous? Où en sommes-nous? Eh bien, nous allons le savoir tout à l'heure. Au sommaire de ce numéro, le doc de l'urbanisme, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et notre rubrique à retenir. Tout de suite, le doc de l'urbanisme. Allô? Oui, allô? Tu ne m'entends pas? Oui, madame, c'est le livreur. D'accord. Tu oui. Viens jusqu'au Grand Carrefour, là. Grand Carrefour? Oui, oui. Oui, oui, je vois le Grand Carrefour devant moi, là-bas. Oui, oui. D'accord. Viens jusqu'au Grand Carrefour. Tu tournes à ta gauche. À gauche, tu viens, hein? À 100 mètres. À 100 mètres. Tu arrives jusqu'au grand, l'ancien gros tour, là. Pardon. Quel ancien gros tour, madame? Attendez, calmez-vous. Voilà. Quel ancien gros Attends, tour, madame? Calme-toi. Je dis... Bon. Oui, quand madame. Tu arrives au Grand Carrefour, là, oui. Tu tournes à ta gauche. Oui, à tu gauche. Tu viens à 100 mètres. À 100 mètres. Tu arrives au gros, ancien gros trou, là. Ancien gros trou. Oui, l'ancien gros trou. Tu arrives là, tu tournes à droite. Quand ouais. Tu arrives à droite, tu vas voir deux grands arbres à côté d'une maison rouge. Tu t'arrêtes là. Oui, mais là, je suis là, madame. C'est là que je suis. Vous indiquez beaucoup, non, beaucoup. Non, non, tu es là-bas, je là. Ne te vois pas. Tu dis que tu es là-bas, je suis. Moi, mais je ne suis pas loin de là, mais je ne te vois pas. Donc, reviens. Je sais que... Reviens, reviens. Reviens sous les deux grands arbres. Allô? Et puis coupe. Hey! Il y a quel problème? Bonjour madame. Bonjour. Madame, s'il vous plaît, c'est vous qui avez commandé. C'est moi. Madame. C'est moi. Pour indiquer un coin là, vous me faites rentrer à gauche, à droite, ancien gros trou, je ne connais pas, madame. Mais ce n'est même pas caché. Voici ce coin là, tout près là. Ce n'est pas caché. Voilà, madame. Voilà, voilà votre colis, madame. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci. À quand l'adressage des rues dans ce pays? À quand? On est fatigué avec ces indications, vraiment. Bonne journée, madame. Merci. À présent, je suis avec le directeur de l'adressage, de la gestion et de la restructuration urbaine, M. Alphonse Nguessan. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. On va parler cette fois-ci d'adressage. D'accord. C'est quoi ce projet d'adressage et en quoi est-ce qu'il diffère des autres projets d'adressage, on va le dire comme ça, que nous avions connus par le passé? Aujourd'hui, se repérer sur le territoire du district d'Abidjan n'est pas chose aisée au regard du manque d'adressage. Je voudrais indiquer que depuis le début des années 60, il y a eu des initiatives d'adressage qui ont eu lieu sur le territoire national et singulièrement à Abidjan. Mais c'était des initiatives d'adressage essentiellement portées sur l'adressage des rues. Il ne s'agissait pas, dans ces projets-là, de conduire l'adressage comme nous sommes en train de le conduire aujourd'hui. Le projet aujourd'hui a la particularité d'être adossé aux standards en matière d'adressage au niveau international. Il s'agit d'adresser aussi bien
les unités d'occupation, c'est-à-dire les maisons, les activités économiques, les commerces, les services que nous rencontrons sur le territoire, et également à dresser les rues. Et à côté de cela, nous mettons en place une base de données qui devrait être alimentée et permettre aux développeurs d'outils de navigation, au secteur privé et au secteur parapublic, de venir rechercher des informations pour conduire leurs projets et développer leurs activités. Donc c'est un projet singulier, adapté aux standards internationaux. Quelle est la méthode que vous avez choisie pour faire l'adressage dans le Grand Abidjan? Nous nous sommes inspirés de toutes les anciennes expériences en matière d'adressage au niveau national. Et puis, nous avons fait des benchmarks au niveau international pour apprendre les meilleures pratiques en matière d'adressage. Et donc, c'est fort de toutes ces expériences-là que nous avons arrêté les conclusions qui ont été validées en Conseil des ministres en avril 2018. Que disent ces conclusions? Il s'agit aujourd'hui de donner une adresse à toutes les personnes, aussi bien physiques que professionnelles, sur le territoire d'Abidjan. On va revenir sur les rues, mais vous me dites que vous mettez des numéros sur les habitations. Le seul problème, c'est que les numéros ne se suivent pas. Donc, on ne sait pas quelle est la logique mathématique que vous suivez pour mettre un numéro. En matière d'adressage, il y a plusieurs systèmes de numérotation. Et le système le plus courant, c'est le système séquentiel, c'est-à-dire matérialiser les numéros au fur et à mesure 1, 2, 3, 4, 5, au fur et à mesure. Et puis, il y a le système métrique avec toutes ses déclinaisons, c'est-à-dire prendre la distance depuis l'origine de la voie jusqu'où est la porte d'entrée de la maison. Et dans notre système aujourd'hui, dans la configuration de la ville d'Abidjan, le système le plus adapté est le système métrique qui consiste à mesurer la distance depuis l'origine de la voie jusqu'à devant la porte d'entrée. Étant entendu que dans notre système aujourd'hui, notre tissu urbain est un tissu urbain qui est en développement. Donc tout le territoire n'est pas construit. Et donc, c'est ce système qui est beaucoup plus adapté parce que la distance, elle est immuable, elle ne change pas. Monsieur Nguessan, dites-nous, est-ce qu'il y a une partie d'Abidjan où vous avez mené un projet pilote ou alors où le programme d'adressage est complet? En matière de pochage, parce que dans l'activité d'adressage, il y a les enquêtes, il y a le pochage et puis la dénomination. Le pochage, c'est-à-dire matérialiser le nom, le numéro devant les portes et puis il y a la dénomination. Donc, sur la zone 1 et 2, notamment Abidjan Sud, Abidjan et Sud plateau. Et Abidjan Centre. Voilà. Oui. Nous avons fini avec les enquêtes, nous avons fini avec le pochage et les noms sont connus. Okay. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer les commandes pour la fourniture et la pose des plaques. D'accord. Donc aujourd'hui, dit que est-ce que le projet d'adressage est fini dans une zone de façon intrinsèque, on dit non, mais aujourd'hui, on peut vulgariser les noms dans les zones 1 et 2 sur le territoire d'Abidjan. Okay. Et dans cette phase de vulgarisation, nous sommes rentrés en contact avec Google pour leur transmettre l'ensemble des données sur les zones 1 et 2 pour que ces données soient implémentées dans les bases de données de Google dès maintenant pour que ça puisse être opérationnel. On sait que, vous l'avez dit, l'adressage, c'est non seulement des numéros sur les maisons, on va dire maisons pour faire court, mais c'est également le nom des rues. Sur quelle base est-ce que vous donnez le nom aux rues? Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs projets d'adressage au niveau national. L'un des plus symboliques était le projet de 1995 qui consistait à donner des noms à l'ensemble des rues de la ville d'Abidjan. À l'époque, en 1995, il avait été identifié 6000 rues, ce qui veut dire qu'il fallait trouver 6000 noms. Et à l'époque, conformément à notre organisation administrative, la dénomination des voies relève des collectivités décentralisées. Et donc, il fallait donner 6000 noms. Et ce processus a été mis à la disposition des collectivités décentralisées. Sur une période d'une année, il fallait trouver ces 6000 noms. L'encadrement n'ayant pas été efficient, nous n'avons pas pu faire prospérer ce projet-là. Et fort de cette expérience, dans le nouveau projet d'Abidjan actuel, nous avons identifié 14 000 voies. Et l'une des recommandations de notre étude de faisabilité a été de confier
la dénomination des voies à un centre de recherche indépendant au sein duquel il y a des experts, des anthropologues, des sociologues et tout réunis qui pouvaient conduire cette démarche. Et ça a été confié à l'Université d'Abidjan à travers sa cellule d'analyse des politiques économiques, la CAPEC. Monsieur Nguessan, c'est la fin de cet entretien. Tout de suite, la parole à l'usager. Je pense que l'adressage des rues, c'est quelque chose qui est à saluer parce que ça va nous permettre de nous retrouver facilement. Parce qu'il y a des rues où tu es parti, tu ne sais pas comment tu vas appeler ou bien comment, tu ne sais pas, tu as besoin de localisation. Parfois, localisation même te fatigue. Donc, je pense que c'est à saluer et puis c'est bienvenu. Ça va nous aider aussi. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ici, en plus du GPS, on peut avoir des adresses. Je me dis que c'est juste pour contribuer à l'évolution des nouvelles technologies. Généralement, dans certains quartiers, c'est les numéros en bleu et blanc. Voilà, donc il y a des numéros sur certaines maisons. Avant, pour indiquer que ce soit, on doit dire, arriver au prochain carrefour, il faut tourner à gauche, il faut tourner à droite, après tu prends la deuxième porte. Donc, il voit que déjà les portes sont marquées et il y a des différents chiffres qui sont là. Donc, tout simplement, on peut dire, tu vas sur telle rue, numéro tant, et la porte numéro 65, par exemple, comme ça, c'est ma porte. Donc, ça pourra mieux amener cette personne à plus se situer. Voilà. Le récap de ce que nous avons appris dans la rubrique à retenir, c'est maintenant. Adressage des rues. C'est quoi un système métrique? Il existe deux types de numérotation dans une opération d'adressage. La numérotation métrique et la numérotation continue. La numérotation continue consiste à aligner les numéros de maison de façon linéaire avec à droite les numéros pairs et à gauche les numéros impairs. La Côte d'Ivoire a fait le choix du système métrique avec également à droite les numéros pairs et à gauche les numéros impairs. Le numéro adresse sur votre porte correspond à la distance en mètres entre l'entrée de votre bâtiment et le début de la voie passant devant chez vous. Dans ce système, chaque numéro de porte est unique sans recourir au numéro bis et les risques de confusion sont inexistants. Un système efficace pour les pompiers qui connaîtront la distance à laquelle se situe votre maison depuis le début de la voie. C'est la fin de ce numéro du 13 minutes du MQ. On a compris que les numéros qui sont sur vos maisons ne sont pas des numéros de lot, ce sont des numéros d'adresse qui sont basés sur le calcul entre la rue qui compte 0 mètre jusqu'à la distance entre cette rue de référence jusqu'à votre maison. C'est peut-être compliqué au départ, mais on va s'y faire. On est une grande nation, non? Allez, à bientôt pour un futur numéro du 13 minutes du MQ.